Casque D 2013 est terminé. Du 7 au 11 novembre de cette année, des performances pour militer pour notre culture créole fut possible. Joie et allégresse de jeudi à dimanche. Musique Cascone Festival, qui est un festival de musique de résistance, symboliquement pour montrer, pour donner du sens à notre territoire nord, qui est un territoire de résistance, et pour rendre hommage aux ancêtres qui ont marqué l'histoire de la Martinique. Alors nous portons ce festival que nous dédions à Aimé Césaire. Car je crois qu'il faut aussi s'attacher à ce qu'on appelle les biens communs de l'humanité, la culture, l'éducation. Trop souvent, la culture ou l'éducation apparaissent comme la cerise sur le gâteau. Je crois que nous faisons la démonstration à travers cet événement que ça peut être aussi un facteur, un moteur de développement pour un territoire. Les grandes pointures proposées par les organisateurs de l'association Mazono ont répondu présent. Le Casque 2 Festival, c'est 9 concerts, un village culinaire et artisanal. Le Prêcheur est une commune d'attraction qui veut grandir malgré parfois un peu de pluie et un public clairsemé. Un petit bémol, c'est que on est à la marge de la manifestation, donc on est à peu près à 200 mètres des concerts. Donc les gens viennent voir les concerts, donc ils passent devant nous en voiture et ils ne s'arrêtent pas forcément. Donc là, on est un petit peu seul. Génial le festival Cascode, mais là c'est cool, là on attend, on est ambiance bon enfant, là je suis avec mes enfants, on est assis sur la pelouse, que demande le peuple? Ce qui porte derrière tout ça, c'est des idées, une culture qui prend sens, et à travers la musique, je trouve que c'est vraiment passionnant. Et... La pratique du message grâce à la musique de résistance redevient un monde de vie, un mode festivalier réunissant et réussissant à faire vivre nos différences en paix dans le monde. Qu'est-ce que je pense du festival? Le festival est important parce que c'est un espace de réflexion sur notre identité, mais autour de la musique, autour de la culture, autour d'une expression belle. Et plein de lumière et espérance.